I was born 87 years ago. For 65 years, I've ruled as Tamriel's emperor. But for all these years, I've never been the ruler of my own dreams. I have seen the gates of oblivion, beyond which no waking eye may see. Behold, in darkness, a doom sweeps the land. Bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Oblivion et nous allons faire une quête un peu originale pour changer un peu, parce que j'avais envie de la faire et surtout parce que c'est la première sur ma liste de quêtes qu'il nous reste à faire. Et donc, pour cela, nous allons nous rendre dans une ville dans laquelle nous ne nous sommes pas rendus depuis très très longtemps, à savoir Vatch. Bon, on va pas rentrer dans la ville, on va faire le tour. Mais ça, on n'avait pas vu depuis longtemps. Oh mon dieu, mais les cadavres sont encore là. Oh, c'est désolant. C'est vraiment, vraiment désolant. Bon, j'avais envie de repasser là, mais il faut qu'on redescende en fait. Au final, j'aurais pu prendre ça, mais j'avais vraiment envie de revoir la ville pour voir comment elle était. Il me semble qu'il y a un mode qui permet de voir sa reconstruction, donc moi je l'ai pas fait. Honnêtement, je sais pas si on fera des modes quêtes sur Oblivion. Peut-être si Oblivion me manque une fois qu'on l'aura fini. Peut-être, je ne sais pas. Ou si on passera directement à Skyrim. Je pense qu'on va plutôt passer directement à Skyrim parce que si je veux vous faire tous les Elder Scrolls, ce que j'ai bien l'intention de vous faire si je vis assez longtemps pour ça, eh bien, je pense qu'il vaut mieux qu'on passe directement à Skyrim. Mais bon, ça après... Bonjour, mais t'es encore là? Tout espoir a disparu. La lignée impériale s'est éteinte. Eh oh, 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 oh. Le pacte a été rompu. Mais non. L'ennemi a gagné. Mais bouge de là. Va ailleurs, ennemi. Le seigneur Dagon est notre ennemi. Il est le prince de la destruction et les Dédras sont ses serviteurs. La chapelle a été détruite et les fidèles, mes amis, sont tous morts. L'ennemi a gagné. Non. Nous avons été vaincus. Mais non, on a gagné. La lignée impériale s'est éteinte. Et les dieux nous ont abandonnés. Où est leur bénédiction? Et leur protection? Il n'y en a pas, faut se débrouiller tout où seul. Où sont nos dieux? L'ennemi triomphe et nous, nous mourrons non. Seuls. Non, non, il n'a pas triomphé, mais merde. Ah, oh, mais viens avec il moi. Il paraît différent des autres hommes qui se prétendent touchés par la grâce. Peut-être qu'il dit la vérité et que l'attaque de la chapelle de Dibella n'est que le début d'un assaut contre l'église tout entière. Les choses vont de mal en pis de nos jours. Des prêtres assassinés sur l'autel de la chapelle. Et qu'arrivera-t-il après? Il me fait trop mal au cœur. Au revoir. Au revoir, mais reste pas là, putain. Mais viens avec moi, je sais pas. Va en ville, va à Skingrad, j'en sais rien, fais quelque chose. Fin... Mais le pauvre, il est resté là depuis tout ce temps. Mais en plus, il doit crever de faim. Non, il me fait trop mal au cœur. C'est pas possible, ça. Vatch, je suis en colère. Il ne reste plus et rien. L'intention de le rester. Ne l'oubliez pas. L'usurpateur camoréen avait aussi incendié Kvatch. La ville a été reconstruite. On a gagné. On a gagné. On a gagné. Il faut qu'on aille par là. Ah. Ah, il me fait trop mal au cœur. Wow. On va éviter de se tuer bêtement. Hein. Que décidément, j'ai du mal avec ça. Ah. Je sens que je fais des bêtises. Non, c'est pas grave. Ok. Ah, mais j'arrive pas à me résoudre au fait de... Oh, une jolie pivoine. De l'avoir laissée derrière nous comme ça, en pleine déprime, à croire que c'est la fin du monde, alors que... On a détruit Dagon, enfin... On a fermé toutes les portes d'Oblivion, on a stoppé l'invasion, ça y est, ça, c'est fini. Enfin bon.
On peut rien faire pour lui de toute façon, donc voilà, ça servirait pas à grand chose. Mais oh là là, j'imagine que le mode de reconstruction de Gvatch doit... Non! Mais je veux pas te combattre, t'es un joli ours. Vis ta vie avec tes copains ours. J'ai aucune envie de te tuer. C'est dingue ça. Je tue pas les animaux. Pas depuis que je peux être invisible. Non mais on croit à rêver hein. Je pensais que le jeu l'avait compris depuis le temps, mais non, même pas. Alors, est-ce que c'est bien là? Oui. Oui, on est là. Voilà. Alors, c'est une petite ferme. Voilà. C'est juste une toute petite ferme, hein, vous voyez. C'est tout petit, avec des petits enclos et tout. Des petits potagers. Alors. Un caillou. On s'en fout un peu du caillou, mais c'est pas grave. Hein. Je voulais faire le tour. Donc voilà, donc ça paye pas de mine, hein, vu comme ça, on va rentrer à l'intérieur. Voilà, donc là, on a une maison, voilà. Je suis entrée dans une ferme qui a l'air d'avoir été abandonnée il y a peu. Si je fouille les lieux, je trouverai peut-être des indices concernant le propriétaire. Ah, donc on va fouiller un peu. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, rien. Du linge, une pioche... On prend de l'or, parce que de toute façon, on peut se le permettre. Même si ça nous sert pas à grand chose. Ah, une page de journal, bon. Des poireaux. Ah, je vais prendre ça, si j'y arrive. Hop. Hop. Hop, voilà. Non, le poireau, ça ne sert à rien. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas dormi. On va peut-être dormir, voir si on a augmenté de niveau. Non, toujours pas. Ok. On va prendre la page de journal. Je suis tombée sur une page du journal d'un certain Slit de Sirinji dans une ferme abandonnée près des ruines de Kvatch. Elle parle d'un pèlerinage visant à déposer une offrande de grande valeur à l'englouti. Il y a de fortes chances qu'il s'agisse de la caverne de Grey, non loin d'ici. Il faut que je me rende dans cette caverne, j'ai peur que Slit ne soit en danger. Forcément si c'est abandonné. Alors, première page de journal... Alors que mes nuits approchent, je continue à regarder brûler les incendies. La grande cité des hommes, Kvatch, est en ruine. Ils n'ont pas tenu compte de mes avertissements. Ils n'ont pas écouté ma voix. Et à présent, tous payent le prix de l'ignorance. L'englouti frappe vite et fort. Il écrase ceux qui s'opposent à lui comme s'il n'existait pas. Les excuses des hommes se heurtent à une sourde oreille. L'englouti n'éprouve nulle pitié. Il est sans merci. Il est simplement assis dans les profondeurs et il fait connaître sa sentence. Et maintenant, d'un coup puissant, il a renversé l'un des pitoyables furoncles humains qui poussent sur ces terres. Et pourtant, il a encore faim. Son appétit est vorace. Kvatch ne sera pas la dernière cité à tomber sous sa main. Le monde des hommes se corrompt de plus en plus et cela attise sa colère. Les mensonges et les tromperies des hommes causeront leur ruine. Tandis que l'englouti s'impatiente, et n'attend ou n'accepte plus l'offrande appropriée. C'est à moi de porter ce fardeau. Je suis le dernier de ceux qui connaissent celui qui fait trembler la terre. Si je ne lui apporte pas l'offrande, qui sait quelle ville fera les frais de son prochain emportement? En ville? Corolle? Ou peut-être tournera-t-il le regard vers la plus vaste pustule de toutes, la grande cité impériale elle-même? Non, je ne peux pas laisser cela arriver. Je dois lui porter l'offrande, tout comme mon père l'a fait avant moi. Les hommes sont peut-être déchus à ses yeux, mais il leur faut du temps pour apprendre les enseignements de l'englouti. Détruire l'humanité serait un gâchis, car je suis certain qu'en lui donnant sa chance, elle pourrait reconnaître le bien fondé de sa voix. Oui, je vais faire ce qu'il faut. Je vais braver les profondeurs de la caverne de Grey pour le voir. Ma volonté et ma voix seront mes armes. L'englouti veillera sur moi et me guidera. Je dois partir très bientôt, avant qu'il ne soit trop tard. Si quelqu'un trouve cette page, qu'il sache que moi, Slit Sirinji, j'accomplis ceci pour le bien de tous. Bah s'il savait qu'en fait... Oh, mais non, mais j'en voulais pas de ta chope marron. S'il savait qu'en fait, il fait tout ça pour rien et qu'on a déjà refermé les portes et tout... Et qu'en plus, ça n'avait rien à voir avec l'englouti. Allez. Non... Ouah, ça va être chiant. Voilà, ben, je suis désolée, du coup je vais le laisser par terre.
comme une sauvage. Ok, donc on va se remettre invisible pour éviter de se faire agresser par des ours. Ou des trolls. Des ogres. Oui, c'est un ogre, ça. Bonjour. Tu es beau. Tu as de grandes dents. Oh. Ah bah du coup, il a... Hop. Alors, j'ai trouvé la caverne, mais pas l'entrée. Ah bah si. Ah non, d'un chien. Un minotaure. Un drug. Oh, mais ce qu'on avait déjà croisé, nous. On se ferait défoncer, là. Bon, ça va. Heureusement qu'on est invisible. Hein. Allez. Alors, je n'ai aucune idée du chemin qu'on doit prendre dans cette grotte. Mais c'est pas grave, on va sauvegarder. Hein. Hop. Un ours. Mais j'ai pas envie de tuer les ours. C'est chiant. Pourquoi on m'oblige à le faire? Ça va être chiant après. J'avais pas envie de le tuer, mais c'est pas grave. Il y a un truc qui invoque des ours. Je sais pas si vous l'avez vu, mais moi je l'ai vu. Je pense que je vais prendre ça. Ouais, d'accord. Maman, c'est brigand. Je suis débile. Mais c'est pas possible. Mais je crois que des fois j'ai l'impression que je le fais exprès d'être débile. En fait. Aïe! Oh oh. Je crois que j'en ai pas pris assez en fait des potions, c'est pas grave. Non, elle n'avait pas invoqué en fait. D'accord, c'est dans ma tête. L'invocation, c'est dans ma tête. Bon bah du coup ça nous fera des peaux d'ours même si on s'en fiche royalement. Totalement royalement, mais c'est pas grave. On va se soigner. Là. On va essayer d'attendre, voilà, super. Bon, au niveau potions, j'en ai pas assez. J'en ai combien au juste encore des potions d'ensorcellement? J'en ai deux. J'en ai trois. Ouais, bon, ça va. Ok. Alors, de l'or. Où est-ce qu'il faut qu'on aille? Ouais, écoute, on prend à droite. Ah bah ça descend. Est-ce que là ça descend? Bah oui, donc on prend à droite. Les deux descendent. Hein. J'imagine que ça va faire le tour. On va essayer de pas trop utiliser notre mana, hein. On va faire attention. Voilà. Qu'est-ce qu'il attaque là? Ah ok. Ah, ça prend à qui en a. Ok, 2-2. Ok. Ça c'est fait. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas d'autres. Hein. Non, il n'y en a pas d'autres. Et là, ça mène nous. D'accord, donc non. On fouille d'abord la pièce. Voilà. Ça, c'est pas mal. Bah, de toute façon, on va tout prendre. On prend tout. Et là, ça va être la suite. Ok. Je sais pas si ça fait le tour. Bah, sinon, on ira dans l'autre cul-de-sac après, hein. Je vois des choses qui n'existent pas, c'est pas grave. Ah, je vous confirme, hein, je vois des trucs bizarres, c'est pas grave. Enfin bon. Donc là, elle va invoquer son nounours. Voilà. L'invocation est morte. Il y a autre chose qui attaque. Oui, qu'est-ce que tu attaques? C'est moi qui ai un problème ou... Bah alors.
Mais qu'est-ce qui peut bien m'attaquer ? Ah, je suis dans un gouffre. Ah, donc ce qui veut m'attaquer doit être en haut. D'accord. D'où le chemin. D'où le... Bah, on a bien fait de passer par là, du coup, en fait. Ok, donc quelque chose d'en haut m'a vu. Où est-ce que je dois aller, là? Par là, ok. Bah, pouf. Ah, bah, c'est... Dis donc. Et je sais pas ce que j'ai, hein, mais... Oulala. Oulalalalala. J'ai le cerveau en panne. Ça, c'est sûr et certain. Il est en panne. Ah! D'accord, ça, c'était un rat. Ok. Très bien. C'est à l'efficacité pour tuer les rats. Ça, c'est pas un rat. Ça, c'est un puma. J'avais pas envie de le tuer non plus, mais c'est pas grave. Tout ce qu'il faut. Ok. Je suis pas la seule à foncer dans les murs. Mon atronach également. Hein, donc, on va bien ensemble. On fait la paire, ça, c'est sûr. Je prends tout ça. Il y a plein de trucs à récolter. Ça, c'est génial. Invocation d'atronach. Peut-être sauvegarder. Parce que... Vu toutes les bêtises que je nous fais, là. Ce sont encore des rats. Bon, je vais prendre ça. Là, il est mort. Lui aussi, il est mort. J'ai un atronach efficace pour tuer les rats. Je suis contente. C'est super. Alors, on va éviter de tomber dans le gouffre dont je parlais. Voilà, et là, on peut passer au-dessus, du coup. Hop. Je crois que je suis pourchassée par un rat aussi. Hein. J'ai l'impression, hein. Non mais sérieusement, mon atronach est tombé. Ah mais il l'a tué en plus, hein. C'est dingue. Oui. Ah mais oui, d'accord, oui. Mais non. Bah, on me dit qu'il y a un truc vert là. Attendez. Qu'est-ce que je suis censée voir que je n'ai pas vu? Ça se passe en bas? Alors là. Oui. On est d'accord qu'il y a un problème, hein. Attendez. Oui, non, d'accord. En fait, je suis juste aveugle. Deuxième page. J'ai trouvé une deuxième page provenant du journal de Slit Serenji. Il y parle de sa descente dans la caverne de Grey, de la résistance qu'il a rencontrée et des doutes qu'il a commencé à formuler concernant sa quête. Il faut que j'essaye de le trouver. Alors que je descends dans les profondeurs de la caverne de Grey, je m'interroge. Pourquoi l'engloutier voudrait-il me mettre à l'épreuve ainsi? Ne me suis-je pas montré loyal? N'ai-je pas dispensé sa parole? N'ai-je pas obéi à ses lois? Ce voyage a été cruel et injuste. Plus d'une fois j'ai failli trépasser. J'ignore si je pourrais atteindre sa demeure. Mais non, je ne dois pas penser ainsi. Je dois l'atteindre. Je dois le voir. Sinon, le monde des hommes sera condamné. Je n'ose m'attarder plus longtemps, car je n'ai aucun désir de subir sa colère. Je dois lui apporter l'offrande. Ok, donc il est vraiment... vraiment motivé, on va prendre ça. Et du coup, on va passer à la suite, voilà. Hop. On va récupérer notre ami... Notre ami, voilà, c'est bien. Contre les sprigants. C'est totalement inutile. Mais contre les rats, c'est efficace. Donc du coup, je le garde. C'est surtout que comme moi j'utilise un sort de feu, utiliser un sort de glace à côté, ça me paraît pas
Ça me paraît pas idiot, on se complète plutôt pas mal. Oh là, y a rien. Ah ! Oui ! Bah, vas-y, attaque mon rat. Attaque le rat. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui vaut mieux ? Commencer par en haut ? Commencer par en bas ? J'en sais rien, on va regarder. Bois. On va passer par en haut, allez. J'ai l'impression qu'on fait davantage le tour en passant par là. Ah, merde. J'ai trouvé le cadavre de Slit Serinji. Il faut que je fouille aux alentours pour savoir comment s'est terminé ce triste voyage. Ah ouais, d'accord. Voici le cadavre. Troisième page. J'ai trouvé la dernière entrée du journal de Slit sur son cadavre. Il était apparemment persuadé qu'il allait rencontrer son dieu et que l'offrande qu'il allait déposer permettrait d'aider tous les habitants de Tamriel. Sa mort est bien triste. Il était pétri de bonnes intentions. Ouais, ça c'est bien vrai. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai remis sur lui. Ouais, non, je voulais la lire. Ah, je suis attaquée. Je suis tombée au combat. J'ai échoué. Je ne l'atteindrai pas à temps. Et par ma faute, l'humanité est condamnée. La créature m'a sauté dessus sans prévenir, et avant que je n'aie pu l'abattre par magie, elle m'a asséné un coup mortel. À présent, tout Tamriel va devoir affronter la mort et la destruction. Sa colère sera indicible, sa fureur immense. Kvatch ne représentait qu'une infime partie de son potentiel de destruction. Tout espoir est désormais perdu. L'Englouti va se réveiller, et bientôt, l'humanité subira sa fin dévorante. En même temps, c'est pas faux. Et voici l'Englouti. C'est pas faux que qu'il y avait quelque chose d'énorme qui voulait détruire le monde entier. Mais on va le tuer. Voici l'Englouti réduit en poussière sur le cadavre de l'homme qui voulait le rencontrer. J'aurais voulu qu'on puisse voir son visage. Voilà. Un homme de bien avec son héros. Bah, c'est très triste. C'est pas l'Englouti que je veux, c'est... Je voulais vous montrer les offrandes. Ouais, voilà. Bon bah, on les prend. Hein. Du coup, c'est pas offrande à l'Englouti, c'est offrande au héros de Kvatch et c'est vachement... vachement triste, en fait. Mais bon. Mais bon. Alors... c'est une quête qui est très belle, mais qui est aussi extrêmement triste. Enfin, moi, je la trouve très belle parce que je trouve ça super touchant, cet homme qui sait qu'il va dans un endroit dangereux, hein, mais qui est prêt à risquer sa vie juste pour calmer au final un élément qu'il croit... responsable du chaos qui règne sur la terre et qui détruit Kvatch. Et c'est très beau, mais c'est très triste. Enfin bon. Donc voilà, donc en fait la quête c'est juste ça. Mais je trouve cette histoire extrêmement touchante. Et j'avais très envie qu'on puisse... juste à faire ensemble. Je sais pas si ça compte vraiment comme une quête, mais bon, ça fait pop des trucs. On va dire que c'est une quête. Hein. Ah ouais, ah non, c'est bon, je l'ai eu. Sur quoi il. Qu'est-ce que. Tu te soignes. Oh, il se soigne. Oh non, tu étais beau. Enfin bon, c'est pas grave. C'est quoi ce casque? Vous avez pas eu le temps de voir? Moi non plus, j'ai pas eu le temps de voir. On va regarder ce que c'est. Casque de vue de vie. Ah, oh, c'est vachement bien ça. Ça peut remplacer le... le... pardon pour ce bruit désagréable. Le... comment ça s'appelle? Le casque du renard gris, voilà. Et bah dis donc. C'est quelque chose. On va aller là. Ah, si on y arrive. C'est bon, on a réussi. Voilà, comme ça on finit de vider la grotte.
Affronte mon Atronach. Il va te réduire en bouillie. Bam. Voilà. J'adore mon Atronach. Il est superbe. Et il est super fort en plus. Et en plus, il est plein de glace. Ça, c'est juste... C'est le meilleur Atronach du monde, en fait. Il est juste parfait. Hop. Nous, on prend ça. Et on va l'aider sur le côté. Ces bestioles, ça fait mal. Voilà. Hop. Il y a tellement plein de choses ici, c'est génial. Enfin, c'est... Service à volonté. Et on a tout là. Bon, il faut qu'on aille de l'autre côté maintenant. Donc je vais reprendre mon Atronach. Il va falloir que je le réinvoque de l'autre côté. On y go. On essaye de ne pas tomber dans le vide. Par où je peux passer? Je dois pouvoir passer par là. Voilà, nickel. Hop, hop, voilà. Je me trompe pas. Attendez, je vérifie. Non, c'est bon. Bonjour. Ok, c'est un sprigant. Oh bah nous, on va faire le tour. Hein. Ah! Voilà, nous c'est elle qu'on vise parce que ça enlèvera son invocation. Par contre, elle c'est le feu, hein, faut pas se leurrer. C'est le feu qui fait brûler le boa. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Pacification. On ne s'en sert jamais de ces trucs-là, jamais eu l'occasion de m'en servir. Ah, attends, viens mon ami. Il y a ça là. Et c'est pas mal, hein. Ça remplace nos potions, mine de rien. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Là, on a tout visité, il me semble. Ouais, on a tout visité. Donc, on va pouvoir rentrer chez nous. Vendre 2-3 trucs. Et puis, rester chez nous. Voilà, tout bêtement. Rester chez nous jusqu'à la prochaine quête. Alors, petit à petit, on avance. Il reste plus beaucoup de quêtes secondaires. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si jamais... Je pense qu'on peut commencer, il doit m'en rester une dizaine. Si jamais vous voyez une quête que je n'ai pas fait, au niveau des quêtes secondaires, j'entends, hein, c'est-à-dire pas le DLC, pas l'autre DLC, et pas le groupe de vous savez quoi dont je vous dis qu'on le fera à la fin et dont on a déclenché la première quête. J'ai aucune idée de par où il faut que j'aille en fait. Je sais juste que c'est pas par là. On va sauter dans le trou, ce sera plus simple. Ou pas. Ah, 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 c'est bon. Eh bien, si vous voyez une quête qui manque, du coup, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me le dire. Bon, je vous fais pas la liste des quêtes qu'on va faire, hein, parce que vraiment, il n'en reste pas beaucoup. Et limite, surveillez les prochains épisodes. On va finir les quêtes secondaires avant de s'attaquer au reste. Donc si vous voyez ce genre de choses, bah, n'hésitez pas à me le signaler. Parce que je connais bien Oblivion, mais je n'ai pas la science infuse. Et c'est pas parce que j'ai des centaines d'heures sur ce jeu que je le connais par cœur, étant donné que c'est un jeu extrêmement vaste. Et qu'on n'est jamais certain d'en voir le bout, en fait. Donc, est-ce que je m'y prends bien, là, pour entrer? Je suis pas sûre. Je suis pas du tout sûre de moi, mais on va essayer. Donc voilà, donc si vous voyez que j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à me le signaler, parce que j'en serai... Vous croyez que c'est par là qu'il faut que j'aille? Non, pas du tout. C'est de là que je viens. J'ai fait demi-tour, bravo. Clap, clap, clap. Bon. Est-ce qu'on va s'en sortir? Ah, je ne sais pas. Alors, là, faut que je réfléchisse. Je viens de là, donc je vais à droite. C'est là où je me suis plantée. Non, mais non, mais... J'ai dit à droite. Pas cette droite-là, à droite. Ah, mais quelle droite? Cette droite-là, voilà, super. Alors. À gauche.
J'ai du mal avec ma droite et ma gauche en ce moment. C'est hallucinant. Voilà, bah là on va devoir reprendre notre forme spectrale sinon on va se faire mais défoncer à la sortie. Ah ! Je bouge, ce n'est pas moi. Salut, au revoir. Vous ne me voyez pas, vous ne savez absolument pas où je suis. Moi non plus, ça tombe très bien. Hop, là on court. Et dès qu'on n'entend plus la musique de combat. Bambi, prends-moi sur ton dos, ramène-moi à ma maison, Bambi. Oh, c'est génial. On peut les observer, mais de tellement près. Oh, bonjour. Oh là là, comme vous êtes beau. Vous êtes tellement beau. Oh, c'est génial. Le grand avantage d'être invisible et en plus d'avoir un anneau de lumière, c'est juste magique. C'est juste trop bien. C'est magnifique, c'est génial. Enfin bref, voilà. C'était mon petit bonheur du jour et l'instant contemplation de Nanimo. J'ai l'impression, je n'entends pas de bruit. On va peut-être pouvoir essayer de se téléporter chez nous. Peut-être, hein. Attention, j'ai des trucs à vendre. Voilà, super. Bon, bah, au final, on s'en sera pas trop mal sorti. On se sera un peu paumé dans la grotte, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'au final, on est trouvé. Alors, non! Me dites pas qu'on est le soir, ça va pas être cool. Non, c'est bon, on est le matin. On n'a plus qu'à attendre une demi-heure. Voilà, hop là. Bonjour, j'ai encore des trucs pour c'est toi. C'est bon de vous revoir. Oui, moi aussi. Jetez un œil. Vous ne trouverez pas de meilleur prix dans tout Tamriel. La flèche, on va la garder. Hein. Donc ça, je vends. Les trucs magiques, je garde pour moi parce que hein, j'ai une tendance à la collectionnite, hein, vous l'avez remarqué. Ça, je garde pour moi en souvenir aussi. Ça me casse un peu les pieds, je vais te le vendre même si ça vaut rien. Bon bah tout le reste j'aime je garde. J'aime faire affaire avec vous. Aïdou tout. Revenez vite. Bref, voilà. On va rentrer dans notre petite cabane. Et on va ranger tranquillement nos petites affaires. Et moi après je vais réfléchir à la prochaine quête que je vais vous faire. Voilà. C'est bien, on avance bien, je suis contente, bientôt on va pouvoir passer de nouveau à des choses costauds un peu, on va dire. Hein. En prenant plein de potions, bien sûr. Parce que sinon, on va pas avancer beaucoup. Est-ce qu'on a une arme magique? Je crois pas, hein. J'ai quand même vérifié. Ah bah oui, mais j'ai les flèches. Ah ah. Bah là oui, j'ai les offrandes. Ah, pour le coup, on va avoir des pots. Hein. Des pots de bêtes, là, on en a. Perles, pépites. Topaz. Les pots. Hop. Mais j'aime pas les tuer quand on les croise. Enfin, je sais pas. Dans ma tête, c'est pas méchant, en fait. Ce sont pas les méchants du jeu. Donc, du coup, ça m'attriste un peu de tuer ces pauvres bêtes. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, on va y mettre les pages du journal. Toujours pas. Ah ! Ah si je pouvais. Hop, ça je peux. Plante du grand vol, toujours pas. Je sais pas pourquoi c'est buggé ça, c'est bizarre. Oui, là pour les trucs magiques. Alors, oui, parce qu'il est moins bien que le mien. Ça je garde. Ah, mais vous avez vu, 200 plumes, mais ça me sert à rien. Par contre... Ça ne pèse rien non plus. Et par contre, ça va moins loin. Donc on s'en fout. Ok, j'ai rien dit. C'est moi qui l'ai fait. Ça, je garde. Voilà, bah super. Ah, encore altération, talent accru. C'est génial. Écoutez, je sais pas depuis combien de temps on n'a pas monté de niveau, mais ça fait un moment. Donc plus on monte, plus c'est long. Mais là, ça commence à faire long quand même. Alors, on va ranger nos petits trucs. Tac. Ranger tous les ingrédients, voilà. Je sais pas si j'en ai à mettre, je crois pas. Hein. Ah bah si. Alors hop, mais j'en ai pas d'autres. Oui, c'est ça. Je vais récupérer des potions, parce que j'en ai besoin. Ah, tchoum, pardon. Excusez-moi. Je vais essayer de pas vous éternuer dessus parce qu'avec ce micro je ne sais absolument pas ce que ça va donner et ça peut être juste abominable pour vos oreilles. Donc je vais éviter, je vais parler du nez pendant 3 minutes le temps de remonter. Avant d'éternuer sauvagement. Dans le respect de vos oreilles.
Je vais faire de mon mieux. Alors, on va remonter à la cabane. Cabane de la cité impériale. On va dire que c'est bon pour notre quête. Et du coup, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Portez-vous bien d'ici là. À bientôt.